Let's go la team! J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouveau training avec Claire. On est parti sur un haut du corps. On va travailler un petit peu le dos, les bras toniques, etc. On va relever un petit peu les nénés. Donc, let's go! Simple, 4 exercices. Il y aura 3 tours. On aura 30 secondes de travail, 15 secondes de récup. Et entre chaque tour, on vous laissera souffler 45 secondes, ce qui fera un total d'à peu près 10 minutes de training. J'espère que vous êtes chaud, vous êtes bien hydraté avant. Et on est parti. Let's go! Claire, elle fera l'option sans impact, tranquille. Option numéro 2, pour envoyer un petit peu plus, vous me suivez. Et on est parti, je mets le chrono, on a la musique, on est bon. Si vous voulez des petits haltères, je vous conseille pas plus d'un kilo et demi parce que ça va quand même être assez intense. Allez, c'est parti, le chrono, on démarre dans 7 secondes. Le premier exercice, on sera sur des jumping jacks, sans impact ici et avec les haltères ici. Allez, c'est parti. Allez, on n'oublie pas de souffler, on n'oublie pas de contracter les abdominaux. On n'oublie pas aussi de ne pas rentrer les genoux. Vous vous souvenez, les genoux, c'est toujours dans l'axe des pointes de pied, ok? Je ne veux pas voir ça, là. J'en vois trop. On travaille ses adducteurs, ok? Allez. Encore. Allez, tu serres le nombril. Et tu souffles. 3, 2, 1. On descend au sol. Allez, nickel. On peut essayer avec ou sans haltères. On va faire des pompes. Allez, ça peut t'aider. Alors, première étape. On monte, on descend, pompe. Ok, on remonte, on déplie les jambes. On descend, pose les genoux, remonte. Allez, travaille ton gainage. Nickel. Allez, maintenant on va aller sur les dorsaux. On est à plat ventre. Il y aura, avec les haltères, ça va être dur. Une fois devant, une fois à côté. On est parti. Allez, tac, tac. Allez, pouce vers le haut, on est content. Allez, on n'oublie pas de respirer. Encore. Allez, on relâche. Ok. Allez, dernier, on va être à quatre pattes. Ok. Tac, je regarde le chrono. On va venir devant, derrière. Devant, derrière. Option numéro 2, on décolle les genoux. Allez, devant, derrière. Allez, 5 secondes. Ok, on relâche. Allez, là, on a 45 secondes de récup. Et on attaque le deuxième tour. Vous connaissez les exercices? Le premier, c'était la découverte. Là, on travaille. Et le dernier, on lâche les chevaux. Allez. Jumping jack. Allez, là, on va les faire un peu différemment. Ici, on va monter comme ça. C'est sympa aussi. Ouh, souffle. Vous pouvez être aussi en repos dynamique, du coup. Ouais. Si vous souhaitez aller encore plus loin. Allez, j'essaye de faire le repos dynamique avec vous. On sera... On fait quoi? On trottine? Un tipping, tipping boxing, allez. Let's go, vous êtes chaud? Allez, ça démarre dans 5 secondes. Ça va piquer, hein? Allez, soyez intensif. Allez. Allez, notre objectif, c'est pas de vous décourager, c'est de vous aider à sortir un petit peu plus de votre zone de confort, d'essayer de repousser un peu vos limites. Allez, choisissez votre option, mais soyez intense dans l'option. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, tipping. Allez, je vous dirai quand on démarre au sol. On prendra un petit peu d'avance
sur la posture. Le prochain, c'est les pompes, ok? Alors, on fera l'inverse. On pompera sur les genoux pour la descente. Allez, good. On descend sur les genoux, bassin en rétroversion. On remonte, on descend. Ok? Hop. Hop. Allez, genoux, décolle les genoux, remonte. Allez, c'est l'inverse de tout à l'heure, c'est un peu plus dur. Nice, là on a les dorsaux. Allez, on peut y aller. Allez, 3, 2, 1, allez, go. Devant, côté. Encore. Allez, ça travaille bien les lombaires. Si vous avez un peu de douleur là, c'est juste les muscles. Allez, il n'y a pas de risque. Il faut juste les renforcer. 5, 4, 3. Ça brûle aussi les épaules. Allez, relâche. Allez, on peut essayer avec l'haltère ici. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, on va essayer. Allez. Travail. On va essayer. On est là. Allez, devant, derrière. Ah, c'est pas mal, hein? Allez, pense à souffler, comme moi. On respire, hein? Allez. 3, 2, 1, relâche. Right. Allez, un dernier tour, je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Hein. Allez, enregistrez ces trainings, mettez des likes, des pouces. Vous pouvez les refaire plus tard, ok? Rien n'empêche de les refaire. Et comment, on est en récup. Et de pouvoir les mettre, par exemple, après votre session de... Si vous faites de la musculation, par exemple, ça peut être votre dernier training fil rouge, un peu cardio. Vous pouvez aussi, voilà votre finisher, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, eh ben, cumuler cette session haut du corps avec une 10 minutes bas du corps, ça vous fait 20 minutes de training, et peut-être 10 minutes d'abdos et ça vous fera 30 minutes de training. Et là, ça, plusieurs fois dans la semaine, 3-4 fois dans la semaine, on est pas mal. Allez. Encore. Allez, 10 secondes. Encore. J'ai mon tapis qui recule. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, tipping. On continue, on lâche pas. Allez. Prochain, on est sur les pompes. Allez, on se met en place. Allez, on refait les mêmes que tout à l'heure. On va monter genoux et on va descendre. Normal. C'est plus facile, hein? Monter genoux, descendre, gainage. J'arrive mieux, moi. Ça bosse, hein? Et la prochaine étape, pompe normale, hein? Allez, super. Ok, nickel. Allez, tipping. Prochain, dorsaux. Allez, on se remet en place. Allez, hop, devant. Allez, la pousse et le smile. Ok, j'en peux plus, mais on tient, 10 secondes, j'ai les épaules en feu, allez, j'arrive même plus à tendre les bras, 3, j'ai triché, allez, relâche, allez, c'est le dernier tour, tu lâches pas,
Allez, en place. Allez, c'est parti. Allez, super, 10 secondes. Out. Bravo. Finish. Allez, sur Amazon, on s'en fout. Ouh. Alors, on s'en fout. Nickel. Ouais, donc tu disais. Hop. Ouais, n'hésite pas à la refaire cette session, vraiment. De toute façon, plus vous allez répéter, c'est dans la répétition et dans la régularité que vous aurez les plus grands des résultats. Ne voyez pas trop grand, n'essayez pas de faire tout de suite des sessions trop longues. Peut-être que là, vous venez de faire les 10 minutes, ça vous a motivé pour enchaîner les 10 prochaines. Yes, let's go, mais pensez surtout, est-ce que vous allez pouvoir le faire régulièrement et la prochaine fois aussi 20 minutes. Donc voilà, je pense que c'était tout pour nous. Ouais. Rendez-vous au prochain workout. Let's go. Salut la team. Ciao.